Et bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui on poursuit notre let's play de Halo. Bon, bah écoutez, je viens de me reconnecter et on m'a demandé encore de changer des calibrages, alors je sais pas ce qui a vraiment changé. On va voir ça ensemble. J'espère qu'ils ont pas tout, tout bougé. Ici c'est la base de données, donc je vais pas avoir les options. Et ici c'est les options, si je regarde les paramètres, normalement... Niveau vidéo, hein, il y a tout à donf. Je sais pas ce qu'ils ont changé. Bon, écoutez, hein. Les reflets sont en ultra, tout est en ultra. Je vois mal ce que je peux faire évoluer. Allez, on y va. On s'en fout, on va avancer. C'était génial. Oui. Vous voulez recommencer? Et maintenant? On doit plus être loin. Jetons un œil. Les étendues infinies de la nuit se contractent. Et dans tes yeux qui s'entrouvrent, je vois. La nuit née du jour et de l'éternité. D'accord, madame. Pas de problème. J'ai quoi comme flingue? Ouais, d'accord. Ok, est-ce qu'il faudrait pas que je me prenne un truc un peu plus puissant, là? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça sent le boss. C'est clair que ça pue le boss. Tire dessus ou pas, toi? J'adore ces lieux, j'adore. C'est pas bon. On doit trouver un moyen de franchir ce gouffre. On peut utiliser cette nacelle. Oui, bonne idée. Rapprochez-moi. Qu'est-ce que quoi? Ah si, vous m'attaquez, oh, lâchez-moi. Alors la nacelle, elle est là-haut. Il lâche des armes, lui? Dis donc. Mais rapprochez-moi, mais c'est-à-dire, madame... Est-ce que la nacelle doit nous emmener là? Ah, ici. Sous tension. Eh ben oui. C'est évident. On va se faire attaquer. Et il me regarde méchamment déjà. Major, attention, des sentinelles là. Ah mince. Je vais t'avoir, j'aurais dû prendre autre flingue. Non.
faire le con avec mon arme là. Ah, j'en loupe, mais j'ai loupé ce coup. Je les loupe tous. Mais attendez, moi aussi. Alors, ils sont nombreux. Il avait arrivé. Aucune confiance en vous. Aucune confiance. Bon, on est arrivé là, et alors? On s'est décalé par là. On va essayer d'avancer. De voir ce qu'on nous propose. Alors, j'espère qu'il fallait pas le récupérer là-bas. De toute façon, normalement, on a tout nettoyé. Je peux pas revenir en arrière, dans tous les cas. Le Nexus n'est pas loin. Par ici. Il y a des armes ici aussi. On va charger un petit peu. T'es dégagé. Le type un peu agressif. Je pense que j'aurais pu passer sans forcément les flinguer, mais bon, c'est pas grave. J'en ai eu un. On sait jamais. Ouf. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez cet endroit. Toutes ces spires interconnectées. Toutes prêtes à se transformer. C'est magnifique. C'est dangereux. Ah, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut changer de plan, mais... Vous le voyez comme moi, non? Tout ce que je vois, c'est un problème. Je ne vous crois pas. Une partie de vous doit bien apprécier la grandeur de ce chef-d'œuvre. Vous n'êtes pas une machine. Vous ne pouvez pas être aussi borné. Allez-vous enfin me faire confiance? Je... Occupons-nous d'abord de la spire. Si vous le dites.
Alors, vous n'êtes pas une machine, vous pouvez pas être aussi borné, ça, je crois que c'est pas un mot qui est anodin. On a ici, effectivement, plein de spires différentes, axées sur un seul et même halo. Ça vous surprendrait si je vous disais que ça ne va pas être si simple. Ne répondez pas. C'est pas vrai. La sorte a été désactivée. Sûrement pour nous ralentir. On va devoir le relancer. Alors, on va le relancer avec ça. Ça, à tous les coups, je vais pas pouvoir le faire. Donc, j'ai pas effectivement de quoi les ouvrir. Et pour pouvoir le faire, il m'en faut au moins un. Je pense qu'il va falloir que j'aille les chercher après dans les autres portes. Ici. Il n'y a toujours pas d'ennemis. Il va se pointer, voilà. Et de deux. On récupère ce qu'il faut. Ouais, mais... Ici, alors, d'accord. On va faire attaquer avec ça ? Ah, j'aime bien ce petit côté mystique là. Cortana doit être évacuée. Protégez-la. S'ils la capturent, ils auront toutes nos données. Emplacement des troupes. Recherche militaire. La Terre. Bonne chance, Major. Ah, je me tais. Il y a une belle ambiance. Qui était-ce ? Le capitaine Jacob Keys. Le Pilar Votum était son vaisseau. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est mort. Sur le premier anneau qu'on a trouvé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ben, il est mort, comme quasiment tout le monde. Dès que je me rapproche de quelqu'un, bim, il meurt. Deuxième. Le troisième, ça sera pas si simple, je pense. Comme tous les autres, vous étiez fort, rapide et courageux. Un vrai chef. Mais vous aviez quelque chose de plus. Quelque chose que moi seul ai su remarquer. Est-ce que vous avez deviné ? Vous aviez de la chance. Y a-t-il eu des survivants ?
On n'avait pas de choix, il serait pas en train d'expliquer que depuis le début... On a détruit le premier anneau. Beaucoup de gens bien y ont laissé la vie. Je suis désolée, je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Je n'ai pas le choix. Je suis peut-être programmé pour ça. Ah, c'est cool. Oh. Alors, je l'entends. Ici. Qui est cet humain? Oh, ok, peut être bien cet humain. J'espère que c'est pas... J'ai pas reconnu la voix. Pas assez souvent. Le dernier. Quoi? Ouf, mince. Si je suis... C'est passé mais juste. Pourriez-vous me sacrifier pour accomplir votre mission? Pourriez-vous me regarder mourir? Qu'est-ce qui va s'ouvrir là? On chope des mines quand même un maximum parce que là... Ça sent le boss depuis trop longtemps là. Ça a marché. Vous avez réussi. Comme d'habitude. Je ne viens pas avec vous cette fois. Nous étions censés nous protéger l'un l'autre. Nous l'avons fait. Elle m'a sauvé. Mais je n'ai pas pu la sauver. Vous culpabilisez? Oui. Eh ouais, Major. Par contre, on a tout ouvert, là. On devrait pouvoir accéder au Nexus cette fois-ci. Vous êtes sûr de vous? Elle saura que je suis là. Je serai à sa merci. Ça pourrait terriblement mal se passer. Je m'occuperai de toi. Bon, d'accord. Bizarre, elle a dire ça. Vous n'arrêtez pas de lui dire de faire confiance. Elle n'est...
Je m'occuperai de toi. Pourquoi combattre l'inévitable? L'ordre approche. La reformation n'est que le commencement. Aidez-moi. Mais je... L'auditorium révélera ses secrets. Les éternels marcheront à nouveau sur ce monde. C'est quoi les éternels? C'est qui les éternels? 0, 3, 4. Qu'est-ce que vous faites? Samuel. Je croyais qu'on formait une équipe. Quoi? Il a détruit ? Vous en occupez ? Vous deviez vous occuper de moi, mais vous étiez à deux doigts de m'effacer. Oui, et tu m'en as empêché. Tu nous as tous mis en danger. Non ! Je nous ai sauvés, et pas grâce à vous. La reformation. Oui, oui, c'est en cours. Et alors ? Regardez ce que j'ai. Programme d'infiltration, vous vous souvenez? Tu as enfreint le protocole. Mais c'est quoi votre problème? J'essayais juste de vous aider, de nous aider. C'était un risque à prendre. Ça n'a pas d'importance. Le voilà, votre ascenseur. Il est temps d'en finir. Eh, j'ai pas compris, là. Il a essayé de l'effacer, pour quoi faire? Ouais, j'ai pas capté là. Parce qu'effectivement, il s'en veut d'avoir laissé Cortana et au final, il allait faire la même chose là. Major, t'as fait quoi là? Pas compris. J'espère que tu vas nous expliquer, Major. Parce que sinon, je serais déçu. Avez-vous la moindre idée des forces avec lesquelles vous êtes en train de jouer? L'encéphale du moniteur a rempli son rôle, comme il le devait. La reformation a commencé. Rien ne peut l'arrêter. Je pense qu'elle veut reformer... Nous les trouverons. Ces éternels. Et l'autre voulait reformer sa planète, ça j'ai bien compris, mais... s'est passé là. Alors ici on n'a rien, faut faire gaffe, on va vérifier qu'il n'y ait pas des petites armes ou des trucs quand même quelque part au cas où. Super bien raté. Oh, à quoi? Où ça? Ah là! Ah d'accord! Lâchez-moi! Piratage impossible? Ah ouais, d'accord. Approchez-moi de ce terminal. On va en finir une fois pour toutes. Elle est colère, hein? C'est normal. Essayez de l'effacer. Bon, à l'inverse, c'est vrai que... Toutes les spires sont maintenant au tout départ, actives. Il voulait la sauver et elle voulait mourir, oh. Donc... Bon... Qu'est-ce qu'il y a?
Ce n'est pas à vous que je parlais. La reformation se concentre sur un lieu très particulier appelé l'Auditorium Silencieux. Étrangement, on dirait qu'il n'y a plus rien sur sa fonction première. Si on veut monter, c'est par ici. Allez, finissons le travail. Juste pour récupérer l'arme, voilà. Je récupère pas, d'accord. Il y a des superbes effets de lumière par contre, hein. C'est vraiment très beau. C'est bien là, hein, pas dire de bêtises. Je vous déconseille d'approcher, sauf si vous voulez mourir. Ce faisceau va vous désintégrer. Et donc ? Pas du tout où je vais là. Ah, c'est là où qu'il faut essayer d'aller, mais... De ce qui s'est passé là-bas? Demandez-lui. Major? Aïe. Visiblement non. De ce que j'ai vu, il s'est passé quelque chose de grave. Elle... tu... était... emprisonnée. Prise au piège. Et il allait m'effacer. Hein? Major, c'est vrai? Il ne parle pas beaucoup. C'est plus ce qu'on appelle un homme d'action. Surtout quand il s'agit de tuer des choses, n'est-ce pas, Major? D'accord, mais bon... Effectivement. Je peux pas tellement dire le contraire. Ok. Peut-être. Ah. Il y a des mobs, c'est que c'est bon. Ah, je pète des trucs quoi. Le major, c'est pas un cérébral. Il pète des trucs quoi. Écoutez, oh, c'est bon. Oh si, j'allais dire je crois pas, mais si. Alors...
La recharge, je l'avais vue par là. Hein. Je sais plus. Là. Oh. Si le message est clair. Ah bon. Je disais ça tout à l'heure et puis au final, la toujours pas de boss. Est active. Et oui, je sais ce que vous allez dire, il faut qu'on la désactive. Mais regardez-la. Elle est en train d'accélérer la reformation. Elle crée des matières premières et les expédie. Pour réparer l'anneau. Certainement. Ou quelque chose de plus précis. Quelque chose de dangereux. Probablement. Après tout, tout est potentiellement dangereux, pas vrai? Ça marche bien en tout cas. Oh! Il faudrait que je change d'arme. Tirons-nous. Pardon. Toujours la même chose. J'ai fait un peu n'importe quoi là, j'ai pas le flingue qu'il me faut. Je voulais économiser l'autre, j'aurais pas dû. On va pas l'économiser l'autre. Oh bah. J'ai un snipe quelque part, je l'ai pas eu. Est-ce qu'ils sont encore en bas? Enfin. Ça va pas me faire peur comme ça. Alors. Par là.
Ah, c'est sérieux. On y va mollo. Ah, je change de flingue. On va changer avec les gros là. Les gros flingues. Voilà. Ça, ce sera parfait. Misérable animal. Clock. Et c'est dommage qu'on ait que deux armes quoi. Ouh, petite épée. D'accord. Ah, je mise comme un grand ce matin. C'est carrément cool. Un peu tour. Là je suis bloqué. J'ai les armes ici. D'accord. C'est ton dernier combat. C'est drôle qu'ils le traitent de monstre par contre. Parce que c'est vrai que pour eux, c'est vrai. Ça. Ça c'est bien fait. Ils parlent bien plus maintenant, c'est chouette.
Lâchez-moi, oui. Alors... Oh. Oh, oh, oh. Ah, le message est clair. J'ai plus beaucoup de balles. Hein. Oh là là, ça c'est par contre, c'est pas terrible. Bon, écoutez, il y a toujours des armes dans Halo. On va où là? Est-ce que j'allais dire ouvre-toi parce que sinon ça va pas être drôle ça. Ça risque de mal finir. Eh ben il est grand ce donjon. Hein. Personne. Génial. Alors, on va essayer de voir si on peut pas récupérer autre chose. Celle-ci est vide, c'est la mienne. C'est la mienne. Comment on va arrêter ça? Je joue n'importe comment. Perdu l'habitude. Flinguette derrière, il est où? Je sens quelque chose. Il n'y a rien dans ce sens-là. Ah, je me tâte à changer d'arme. Ça, c'était bien, mais pas ça. De toute façon,
Je vais plus tellement avoir le choix. Hein. Changeons d'arme. Hop. Eh bien, on monte, hein. Encore. Vous avez fini tous les deux ? Absolument. Je parlais de la spire. Moi aussi. Enfin, presque. On arrive au sommet. Bien, parce qu'ils sont en train de reconstruire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose de gros. Ah, je sais pas ce que je dois prendre, c'est fou. On va prendre ça et puis on verra. C'est de la belle porte. Je le touche pas. C'est fou. Abandonnez. Ciblez. Bah oui, je le touche pas. Ça n'était pas du tout nécessaire. Bah on va falloir qu'on reprenne une petite arme, effectivement. Voilà, erreur de ma part. Je ne tolérerai plus vos intrusions. Génial, leur voilà. Cette conversation amusante touche à sa fin. Encore en vie? C'est incroyable. Et solide. Il est solide le cochon. Alors, il y a ici des armes. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Amène-toi. J'ai éternué, j'ai été obligé de couper la musique. C'est à moi. Voilà. Cette configuration est loin d'être idéale. C'est on la on voit dernière tout. Fois, je vous le promets. Nos ressources sont basses. Sur nous. Et en plus, il est avec des amis. Quoi ? Vous me recevez ? Il a des amis. C'est pas cool. Quels amis?
c'est quoi ses amis? D'accord. Wow. Vous ne compromettrez plus cette installation. Votre blindage est défaillant. Une éventualité non prévue. Est-ce que je fais du mal? Je suis pas sûr. Ouais, parce que je suis même pas sûr de lui faire du mal en fait. Je sais que j'ai corrigé cette erreur. Le vaisseau recalibré est performant. Cette installation sera déployée et réparée. Éliminez les trucs. Protégez la reformation. C'est dommage parce qu'en fait on se sert jamais des autres. Des autres trucs. C'est tellement compliqué à aller les chercher en plein combat. Alors il est où? Attends, putain, c'est pas possible. Ouais, ça m'aura vraiment servi à rien. Ces trucs supplémentaires. Oh mince. Je ne tolérerai plus vos intrusions. Génial, leur voilà. Je n'ai d'autre choix que de vous éliminer tout de suite. Je sais que j'ai corrigé cette erreur. Comment est-ce possible? Des explosifs? Que faut-il pour vous arrêter? Vos efforts pathétiques ne font pas la reformation. Oh, je suis protégé là, normalement. Et en plus, il est avec des amis. Vous me recevez? Il a des amis. Allez, on continue. On fuit. Débarrassez-vous d'eux immédiatement. Veuillez commencer votre partie avec vous donc aucune morale. Éventualité non prévue. Ça doit être une erreur dans mes modèles prédictifs. Vous avez un peu de ralenti.
Merde. Voilà. Ça a mis le temps, mais ça marche. Arrêtez cela immédiatement. Je commence à avoir le coup de poing. Arrêtez ça. Me voilà, très espèce de monstre. Veuillez commander votre sentinelle. Sentinelle, aidez-moi. Cette arme est merdique, il faut que j'en trouve une autre. Le pompe finalement, c'est pas ça. Voilà. Ils essayaient seulement de vous éradiquer. Vous ne compromettrez plus cette installation. Vous endommagez mon exostructure. De faire ça! Cette configuration est loin d'être idéale. C'est bon, c'est passé, j'ai entré tous les paramètres. Fuyons! Fuyons, courage, fuyons! Et voilà. C'est bon. Comptez bon encore. Il devrait y avoir un ascenseur pour remonter. Il est vrai que il vient peut-être un peu trop souvent d'ailleurs. Ça. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme arme? Non, bon, on est bien. On va rester là-dessus. Je trouverai autre chose sur la route. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut? Le temps passe, hein. Ça met du temps à charger, c'est bizarre. Je vais couper le son si c'est une petite cinématique. Je crois qu'on a réussi. Et on dirait qu'on n'est pas les seuls. Et ce que j'allais dire, qui sont ces gens? Deux snipes, mais pas que. Allez-y, attrapez-le! Tu crois qu'on pourrait s'enfuir? Oui! Putain, ils m'ont fait mal rapidement. Tire-nous! Bien.
You. Il est là, dans le coin. J'ai vu des belles armes. C'est bizarre parce qu'il y a plein d'empaleurs. J'en étais sûr. J'en voyais plein, je comprenais pas. C'est bon. Plus de danger. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant. Bah, on fait peut-être moins de dégâts avec le bazooka, mais il tire plus, quoi. Oh, c'est superbe. C'est clair qu'on a vraiment l'impression d'être dans Halo 1, quoi, mais... Remastered. on est plus dans le remake d'ailleurs. Peut-être ça qu'ils auraient dû faire. Un reboot direct. Vous êtes sûr que je peux faire ça? S'il n'y a pas de danger. Et sinon, vous m'effacerez, c'est ça? Eh bien, bonne chance. Oui, ça a marché. Et non, il n'y a pas de problème. 3, 2, 1... Terminé. C'est jamais terminé. Expliquez-moi. J'ai attendu... 6 mois. J'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. J'étais censée être effacée. C'est vous qui m'avez conservée. Vous! Et tout ça, vous n'auriez pas pu le faire sans moi. Non, jamais. Je vous ai fait confiance. Pourquoi ce n'est pas réciproque? Tu ne comprends pas. Dites-moi! Cortana... Elle est morte! C'est fini. Tout ce qui reste, ce sont des échos. Et ils finiront par disparaître eux aussi. Tu crois? Vous êtes encore vivant? Toutes les spires se désactivent. C'est normal ou pas? On a gagné? Il est prêt à partir. Vous n'avez qu'à me laisser là. Je ne peux pas faire ça. Je ne vous demande pas votre avis. Évitez de faire tuer lui aussi. Tenez-vous prêt, fichons le prochain. Major? 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 Un tueur de Spartan! Il n'a aucune chance. Suis-le. J'ai pris les devants. Ouvre un portail, trouve un endroit proche. Ce n'est pas si simple. Pourquoi? Bon, d'accord, c'est simple, mais risqué. On le sauve, ou on meurt avec lui. Il y a de grandes chances que ça arrive. C'est difficile de verrouiller les coordonnées. Fais-le. Portail ouvert. Ouh, ça commence à évoluer. L'auditorium est en partie reconstruit. Et ça suffit?
Je ne sais pas. Cherchez. Problème, je commence à perdre patience. Je t'en prie, dis-moi que ta mission a été un succès. Il viendra à nous. Tu es sûr ? C'est totalement immoral. Si tu le dis, pour moi, c'est logique. Je fais ce qu'il faut afin d'assurer notre survie. Et la morale, nous en reparlerons si j'échoue. Mais tu as créé une IA de toi-même, Catherine. De toi-même. Tu as peut-être une meilleure idée. Elle fera tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de votre mission. Même si pour cela, elle doit se sacrifier ou vous sacrifier. Bonjour, Major. Je suis Cortana. À tous les êtres vivants de la galaxie, ce message est pour vous. Ceux d'entre vous qui écoutent, éviteront une mort terrible. Vous ne connaîtrez ni la faim, ni la douleur. Votre création est là pour vous guider. En revanche, pour ceux qui refusent notre offre et se cramponnent à leur ancien mode de vie, ceux-là subiront la terrible colère. Elle vous brûlera et vous consumera. Et quand vous serez mort, nous prendrons ce qui reste de vous et nous le referons à notre propre image. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous m'avez dit de nous approcher. Tu as vu ça ? Nous avons traversé un amas de données. Moi, ça m'a paru... comment dire ? Réel. Très réel. Et maintenant ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de bruit en bas. Ou... peut-être en haut. Ou alors, ici. Il faudrait qu'on trouve un endroit où traverser, pour savoir où on est. Bon, nouvelle mission, les Halles. Ou le Hall, plutôt que les Halles. Ils vendent du poisson ? Oh là là, excusez-moi. Bon. Écoutez, on a bien avancé encore une fois. On va s'arrêter ici, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Encore une zone superbe.